Abend, Wasser. Können wir uns nahe? Furby nerves. So, what got this another? Blue, Bagu. Hoti Baba, along with Hoti Ma. Bienvenue dans ce quatrième épisode de La Pause Café, où nous analysons autour d'un petit café les petits détails qui peuvent rendre un jeu très bon ou très mauvais. Aujourd'hui, il neige, et c'est bientôt Noël, alors je vous propose de vous faire un chocolat chaud. Qui dit Noël dit bien souvent réunion familiale ou amicale. Et qui dit réunion avec des gens dit communication. Alors aujourd'hui, on parle de langage. Un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui vont les appliquer. D'une manière similaire à une langue naturelle, un langage de programmation est composé d'un alphabet, d'un vocabulaire, de règles de grammaire et de signification. C'est une façon de communiquer avec la machine, qui est donc définie par des règles... Non, non, pas les langages de programmation. LE langage. Vous savez, juste pour communiquer. Quel rapport avec les jeux vidéo ? Eh bien, beaucoup de jeux montrent des personnages qui parlent. Et parfois, ces personnages ne parlent pas vraiment une langue compréhensible ou identifiable. Voire pas humaine du tout. Souvent, dans les jeux datant d'il y a une ou deux décennies, les limitations techniques empêchaient de pouvoir enregistrer et retransmettre des voix humaines de façon claire. Et par exemple, pour le jeu Banjo-Kazooie, eh bien, les cartouches Nintendo 64 et autres consoles de l'époque étaient tout simplement trop réduites en termes de mémoire pour pouvoir enregistrer des voix dessus. C'est ainsi que le Banjo-Speak est né, et a été gardé dans les suites. Mais alors pourquoi des jeux de nos jours continuent d'utiliser des langages inventés pour faire parler leurs personnages ? Eh bien, tout simplement par tradition. Très souvent, notamment pour les RPG, on retrouve des personnages qui parlent uniquement à partir de sons ou de musique. D'autrefois, c'est par souci d'économie. Que ce soit une économie de mémoire, de moyens techniques, ou juste une économie monétaire, il revient souvent beaucoup moins cher de ne pas doubler ces personnages, mais de leur attribuer des sons. Un peu plus random. Enfin, d'autres fois, il s'agit d'un choix de design à part entière, comme pour le Simlish, langage des Sims. A la base, ce dernier devait être inspiré des Code Talkers de la Seconde Guerre mondiale. Ces Code Talkers étaient des Amérindiens, ou Américains natifs, qui utilisaient les langages de leur tribu pour crypter les messages de l'armée américaine. Mais finalement, le langage des Sims a évolué pour ne devenir qu'un espèce de blabla insensé, inspiré de plein de langues différentes. Pourquoi ne pas utiliser un langage réel ? Eh bien, tout simplement pour ne pas limiter l'imagination. Si on utilise des termes qui existent dans la réalité, alors leur sens est défini dans l'esprit du joueur. Si je vous dis par exemple « je bois du café », alors vous savez tout ce que je veux dire. Cette phrase n'est pas libre d'interprétation. En revanche, si je dis « c'est de nouveau coffee », là, tout de suite, vous pouvez interpréter ça un peu comme vous voulez. Ainsi, un gloubli-glouba insensé sera beaucoup plus libre d'interprétation et parfois beaucoup plus drôle. Oh.
d'autres jeux arrivent à créer ce blabla insensé à partir de langues qui existent véritablement dans le monde. Souvent, en remixant ou mélangeant des langues, en retournant les sonorités, ou juste en trafiquant la façon de parler. On obtient ainsi une illusion de langue étrangère beaucoup plus facilement qu'en en inventant une. Dans Jeu Magica d'ailleurs, le langage parlé est un mélange d'anglais, de suédois et de n'importe quoi. Les personnages d'Animal Crossing utilisent des voix synthétiques qui vont prononcer chaque lettre de chaque mot. Ces voix sont ensuite accélérées pour coller au rythme d'affichage. C'est ça qui donne cette illusion de langage, mais pourtant incompréhensible. Parfois d'ailleurs, on voit que le choix de faire communiquer son personnage de façon libre n'est pas totalement assumé. Notamment lorsqu'on s'aperçoit qu'un personnage ne fait que piocher dans une liste de sons et de mots sans aucune question de contexte ou de sens. Midna dans Twilight Princess a beau être l'un des premiers personnages de la licence Zelda à avoir un langage tout au long du jeu, elle a aussi un langage qui ne veut rien dire. Ces phrases sont en vérité des phrases d'anglais accélérées et utilisées aléatoirement sans se préoccuper du contexte. Pour donner véritablement l'illusion d'un langage inventé, il faut que les personnages réemploient des mots ou des sonorités de façon logique, c'est-à-dire qui, dans le contexte, nous donnent l'impression que ces mots ont un sens. Dans Skyward Sword, quel que soit le nom choisi par le joueur pour désigner Link, les personnages du jeu vont s'y référer en tant que Mata. Et Fai va l'appeler Mari Mata pour Maître Link. Et cela s'applique même lorsque le langage n'est pas composé de mots à proprement parler. Cela ne veut pas dire qu'utiliser des langues véritables est une mauvaise chose dans un jeu. Même le fait d'utiliser plusieurs langues peut apporter une vraie richesse et une vraie diversité à un jeu. Dans les jeux Civilization, et ce depuis le quatrième volet, tous les leaders de chaque pays vont parler la langue qu'on pense était parlée à cette époque-là et dans cette région du monde. Le tout est de faire le choix adapté pour que les personnages du jeu communiquent l'impression souhaitée, que ce soit des pipelettes ou des personnages muets. Sur ce, je vais de ce pas essayer de comprendre ce que les visiteurs de mon parc d'attraction essayent de me dire. On ne sait jamais, peut-être qu'ils ont un vrai message à communiquer. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux.